Alors Scarlett m'a dit, mon personnage n'est plus comment je vais faire, il me reste des films à faire. Tu vas venir d'une autre dimension avec tes films. Parce que, honnêtement, ce qui se passe, j'ai confié à Tom Holland des pouvoirs Iron Man. Il peut construire des armures pour tout le monde. T'as vu? Même Iron Man, il jouait pas assez bien. Je l'ai tué. J'ai confié à Spider-Man les pouvoirs de Iron Man. Je pense que Spider-Man va y passer aussi. Oui. La raison. Quand tu as la possibilité de créer des armures, t'as vu Iron Man, comment il en crée une armée. Et que tu te penses doué en création d'armures, que tu dois gérer les Avengers, et que pendant ce temps, tu as encore Black Widow qui se balade en tenue vinyle sans avoir un équipement, et Arrow qui est mort parce que tu l'as pas équipé. Ben moi, je te fous dehors. Parce que tu joues très mal. C'est un petit peu comme si tu vois Black Panther, il arrivait en disant il ne prête pas sa technologie et n'équipe pas les autres joueurs de cette technologie-là. Il y a plein d'aventures que vous n'aurez jamais terminées. Ben Iron Man, quand il l'a pas fait, j'ai viré Iron Man. Si tu vois Hulk en armure, ça peut être super bien. Thor en armure, ça peut être super cool. Black Widow en armure, c'est plus juste une espionne. C'est Black Widow en armure, quand même. En armure nano. Quand tu prends la flèche en armure nano, c'est plus la flèche, c'est la flèche en armure nano. Donc, tu as une évolution des Avengers, normalement. Celui qui a le pouvoir de Iron Man, l'héritage de Iron Man, il est censé faire ce travail-là. Tom Holland, quand il joue, il fait pas. Spider-Man va bientôt mourir. C'est un petit peu comme si je disais, je ramène Odin du futur, du passé, où je le fais ressusciter. Il a sa forge pour forger des armes. Il se rend compte que les Ragnarok sont revenus. Ok? Et il va pas forger d'armes à Thor, à Loki, aux Avengers. Il va regarder en disant que vous en sortez pas, c'est dommage. Ben là, je retue Odin. Parce que je l'ai ramené pour rien. Au moins, il me refait le scandale de sa remorque. Là, j'ai tué Iron Man. J'ai donné les milliards à Spider-Man, qui est censé être un scientifique de génie, capable de comprendre les technologies de Iron Man. Et Black Widow, elle se balade toujours en t-shirt quand elle combat. T'as déjà tué la flèche. Je vais pas être très content.